Mais alors, qu'est-ce que tu leur dis à ces sportifs là qui se plaignent du confinement, qui peuvent pas courir et qui sont limite déprimés et qui postent, qui postent des vidéos sur internet où le mec il fait un marathon dans son salon autour de la table. Non mais écoute, tu les as vu mes vidéos? Non, j'ai pas vu tes vidéos à toi. Ah mais je crois que tu m'appelais pour ça, Gaël. De quelle vidéo? Attends, mais moi, je fais un truc super. Vas-y. Je fais 2 minutes de vidéo, je fais entre 2 et 7 minutes de vidéo tous les jours. Ouais. Pour 20 minutes de course à pied et les mecs, attends. Ça buzz de folie, et les mecs se remettent à courir et ils se disent putain, je progresse. En 20 minutes, je progresse. J'ai des séances de dingue. D'accord, mais tu veux dire que c'est des trucs qu'on peut faire pendant le confinement? Bah oui. D'accord. Je me conforme. Au début, on avait droit à 2 km. Ouais. Maintenant, on a droit à 1 km. Ouais. 20 minutes. Mmh. C'est super, même ça. Moi, je les teste, même moi. Parce que attends, j'ai eu un épisode moi, de confinement il y a 8 ans, suite au harcèlement moral, j'ai fait une tuberculose. D'accord. Et j'ai été, j'ai plus qu'un poumon qui fonctionne. Donc j'étais bonjour, 4 mois, avec un masque, isolé. Ah ouais? Et donc j'ai vécu le confinement avec la menace de mourir quand même. Ouais. Donc, ouais. Donc le confinement qu'on vit là, ouais, c'est cool. Ouais. Et donc j'ai mis au point cet entraînement. J'aime entraîner des gens comme Isabelle Chichi. Et quand je suis sortie de là, je me suis rééduquée avec mes connaissances scientifiques. Je suis remontée à Champs-Rousses à vélo. Ouais. Et je refais des trucs. D'accord. De courir et tout. Avec mon poumon. Et l'entraînement que j'ai mis au point, il est super pour tout le monde. Et là, j'ai entraîné des personnes très âgées. Où est-ce qu'on peut les voir, ces vidéos? Et ben là, c'est sur BioTraining. D'accord. Okay. Et alors, j'ai embauché une agence de com, et le Village des Experts, qui me fait ça un petit poil. Mm-hmm. Moi, j'enregistre, j'envoie sur WhatsApp. Mm-hmm. Et derrière, elles me refont un look vraiment bien. Super. Et ça fait la 15e. Ouais. Et elles sont en ligne. Et en fait, si tu prends le départ, tu peux progresser de dingue. D'accord, d'accord. Et même, j'ai refait passer le bac hier avant-hier. Parce que comme Blanquer a décrété que le bac, on ne passait pas. Ouais. Moi, j'ai repris les épreuves de bac de 3x500 mètres. Hein, ouais. Et j'ai refait passer le bac aux gens avec une réflexion. En même temps, j'ai introduit des notions de physio, tu vois. D'accord. Enfin, d'accord. Mais alors, juste pour résumer, qu'est-ce que tu leur dis alors à ces gens-là qui vivent mal le confinement? C'est l'occasion de redécouvrir une nouvelle façon de s'entraîner. D'accord. Très efficace, basée sur la qualité, justement la qualité des appuis au sol, la puissance musculaire. Ok. Et le relâchement. Mais alors, qu'est-ce que tu... pour la notion de plaisir, quand même. Parce que je suis à la fois d'accord avec ce que tu dis sur la fuite en avant. Et en même temps, moi aussi, je pars du principe, tu veux, que si le mec, il a envie de faire un 24 heures ou un UTMB en 40 heures, je veux dire, moi, ça me dérange pas. Le mec, il prend son pied comme il veut, si tu veux, tu vois. Chacun voit midi à sa porte. Non, mais ça me dérange pas du tout. Non, mais tu absolument vois pas. Ouais. C'est la liberté individuelle. Voilà, hein. voilà. Mais donc, pour celui qui est frustré parce qu'il ne peut plus prendre ce plaisir-là de la course à pied, qu'est-ce que tu lui dis? Parce qu'effectivement, moi, quand j'entends ton expérience du confinement, tuberculose, où tu risques vraiment la mort, je me dis oui, il faut quand même relativiser. Voilà, la ruse, c'est qu'on a droit à 1 heure. On remplit un papier, là. Ouais. Bon, à la limite, ils le font plusieurs fois. Moi, je me suis fait... Bon, j'étais allée faire les courses, après, j'ai promené, j'ai un berger allemand. Ouais. Les chiens, et ils m'ont dit, attention, si on vous revoit une deuxième fois, ouais, vous êtes... voilà, on a droit qu'à une fois. Ouais, tu prends une amende. Et donc, moi, mes entraînements, ils durent moins d'une heure. Mm. Bon, à la limite, le mec, il se le fait 2 fois dans la journée, il a son compte. Hein. Mm. Et pour les 40 heures, je te jure, ça suffit largement. D'accord. Moi, j'ai fait des offres à faire 80 bornes dans la journée, en ayant travaillé vraiment pour le 3000 mètres. Et... Parce que, en fait, ma théorie d'entraînement, c'est ça. C'est au lieu de s'entraîner pour être endurant, dans le sens où l'endurance est définie comme étant capable d'utiliser un gros pourcentage de vos deux max longtemps, ouais, d'accord, ouais. Ça s'appelle l'endurance diesel, on va dire. Ouais. Moi, je suis pour l'endurance réserve de puissance. C'est-à-dire, je suis pour monter ton moteur très haut dans les watts, et que quand tu dois faire du long, tu n'es qu'à 50%, au lieu d'être à 90%. Bien sûr. À 50% d'un truc très élevé. Donc, tu es plus sur tes lipides, tu as moins besoin de glucides, du coup, et musculairement, tu ne te crèves pas. Donc, le premier secret d'entraînement, c'est d'avoir une grosse réserve de puissance, donc de travailler en sprint. Moi, je travaille beaucoup en accélération, parce que F égale MA, la force, masse par l'accélération, deuxième loi de Newton, et l'énergie, c'est la force sur la distance, et la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps.
Donc une fois que tu connais ça, tu travailles en puissance, donc tu augmentes ton endurance. D'accord. 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 Donc si tu as une puissance, allez, de en Vmax de 32 à l'heure, ouais. Bon minimum. Après tu as une puissance à VO2 max, bon, qui passe seulement celle de VMA. VMA, c'est juste un artefact de protocole triangulaire. Mmh. C'est la vitesse minimum qui se situe VO2 max dans un test triangulaire, genre du QG. Mais des vitesses à VO2 max, il y en a plein. Là, je sors un papier qui montre que quand, sur le mètre, par exemple, on a testé grand sprinter sur un sprint, tu es à VO2 max. Donc, il y a plein de vitesses qui sollicitent VO2 max, puisque VO2 max est sollicité quand tu baisses tes réserves de phosphocréatine. C'est comme un moteur hybride. Quand tu vides ta batterie électrique en accélération, le moteur thermique monte très rapidement. Donc, en fait, le secret, première, c'est monter ta puissance pour être dans une zone de confort et de non-risque et aussi de lucidité cérébrale. Ouais. Parce que ton sucre va au cerveau pendant les efforts de 40 heures. Moi, je suis pas contre, hein. J'en ai fait du off, des trucs de fou. Deuxièmement, mais quand t'es puissant, tout va bien. Et puis, pour la descente, tu peux encaisser 5G sans problème. Parce que t'es musculairement fort. Ouais. Donc, t'as tes sarcomères très forts, tes ponts d'union, etc. Deuxièmement, c'est t'entraîner qu'à la sensation. Donc, c'est-à-dire que nous, on a validé par le test de Rabbit le fait qu'il faut que tu aies vraiment mes articles sur Bia Training. On a publication, on a toutes nos dernières découvertes, ce que j'ai remis couvert depuis ma boîte, que mes étudiants financent. On a vraiment mis la gomme. Ouais. Notre test a été validé en international par les Italiens, etc. Donc, on a un test à la sensation. Donc, c'est un test où tu fais 10 minutes facile, un sprint, 5 minutes moyen, 3 minutes dur, 30 secondes à bloc et 10 minutes facile. Et avec ça, t'as ton VO2 max, t'as tout, t'as ton profil de puissance, cardio, acidose, perception. D'accord. Et t'as un entraînement sur mesure. Donc, le deuxième principe, c'est que tu dois t'entraîner dans toutes tes qualités. T'as pas d'avoir des cycles d'endurance où je fais que des kilomètres, machin. Donc, ça veut dire que t'es mec confiné, pour venir ce qui t'intéresse. Ouais. C'est le moment de travailler toute ta gamme. Donc, ta puissance max, ta tolérance à l'acidose, ton efficacité cardiaque, donc ton cœur être capable cardiaquement de monter dans les tours très vite et de redescendre très vite pour éviter le déficit d'oxygène, pour apporter tout de suite l'oxygène au coronaire, au cerveau, etc. Et la perception de ta charge physiologique. C'est-à-dire, quand je suis facile, est-ce que physiologiquement, je suis vraiment facile? Parce qu'il y a des gens, notamment tous ces gens qui sont très volontaristes, qui s'écoutent pas, qui sont bourrins, et ben le facile, ils le connaissent pas. C'est-à-dire, quand tu leur dis fais facile, ils sont déjà dans une physio moyenne. Et donc, ils ont pas de marge de sécurité. D'accord. Tu vois? D'accord. Et donc, en fait, c'est comme un réapprendre à peindre avec toute une palette. Même si tu fais du monochrome, à un soulage, le noir, et ben, il va prendre la lumière différemment en fonction de comment il a mis son D'accord. pinceau et sa couche de noir. Et alors, est-ce que tes vidéos, tu expliques... Elles apprennent tout ça. Elles apprennent tout ça, d'accord. Mais on peut les relier au confinement, c'est-à-dire que le type qui a juste un balcon... C'est que du confinement, d'accord. J'ai fait ces vidéos pour le confinement. Ah, c'est parfait, alors. Ok. Donc, il faut renvoyer les gens là-dessus, c'est bien ça, d'accord. Bah, moi, j'ai fait que ça, parce que c'est ma petite part, t'as compris, j'étais une âme militante. C'est parfait, hein. Et c'est ma contribution, moi, je suis pas... D'accord. Qu'est-ce que je fais, ma contribution, c'est de téléphoner à mes élèves qui dépriment. Ouais. Et c'est faire mon job de prof. Ouais. C'est tout, et d'enseignant-chercheur. Ouais, ouais. D'accord. C'est tout, d'accord. Je suis pas médecin, donc voilà. Bon, c'est bien ça, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses des organisateurs de courses? Parce qu'on le voit, hein, les courses, elles s'annulent au fur et à mesure. Mais on sent bien quand même que les organisateurs, et je le comprends aussi, hein, ils vivent de ça, ils ont du mal à annuler leurs courses, tu vois, ils te disent, ouais, on va annuler un mois avant, bon, mais, tu vois, par exemple... Eh ben, c'est très bien, moi, je suis d'accord avec eux, parce que... moi, mais tu trouves pas que c'est un petit peu ambigu par rapport aux coureurs, parce que... Non, parce que je leur explique dans le confinement, parce que j'avais pas mal discuté avec des prisonniers, etc. aussi. Le truc, quand t'es confiné, c'est que tu vis l'instant présent, et tu vis longtemps après. C'est-à-dire aussi ma technique quand je faisais du marathon ou autre, j'étais dans ma foulée, et j'étais à la ligne, après ce que je vais faire à la ligne d'arrivée. Est-ce que je vais aller... tu veux dire que tu te projetais mentalement dans le futur. Ouais, toujours. Et même quand je passais des examens, même les concours de professeurs, ou même la création de boîte, on est passé dans un incubateur, pour moi c'était bon. D'accord. J'ai tellement bossé, toi c'était bon. J'ai tellement bossé que derrière. Donc en fait, c'est très bien ce qu'ils font les mecs. Parce que derrière, moi je dis aux coureurs, là j'en explique dans mes vidéos, allez, faites votre planning de course. Allez-y les gars. Moi derrière, et d'ailleurs si tu peux m'aider en Endurance Shop, moi quand je vais sortir de confinement, je voudrais
J'adore ça, aller dans tous les magasins ou faire des standing up dans tous les endroits qu'on m'accueillera en France. Ah ouais? Aller expliquer ce que je fais, tenir, aller dans les boutiques. Ça, on peut faire, hein. Carrément. Ah, mais moi, j'adorerais. Ah bah ouais. Parce que tu vois, j'arrive à 60 balais et mon truc, c'est de partager. D'accord. Tu vois? Ouais. Donc. Mais là, attends, non, juste pour revenir aux organisateurs de courses, là. Eh bah, t'es d'accord avec le fait que les mecs, ils annulent au dernier moment? Bah oui, parce qu'ils donnent à rêver. D'accord. Parce que, ben oui, on se projette. Mais est-ce que tu trouves quand même, par exemple, prenons le cas du TMB, qui est une course que tout le monde connaît, et que tout le monde arrive à imaginer un petit peu la difficulté du truc. C'est difficile quand même de s'entraîner pour l'UTMB, qui arrive en août, là, en ce moment. Mais s'ils font l'entraînement que j'ai dit, ça va aller. Ah ouais? Je te jure. D'accord. Si un final, je te jure, tu veux que je te dise comment j'ai gagné un final? Quand même, j'ai couru tout le long, et j'ai quand même fait 3h08, un truc comme ça. Ouais. C'est pas pourri. Maintenant, je suis d'accord que les filles. Non, c'est pas pourri. Mais attends, 82, j'avais 21 ans, même pas. Ouais. J'avais même pas 21 ans, parce que je suis née en septembre. Mmh. Et donc, je suis née en septembre. Mmh. Et donc. Donc, tu veux dire que tu es en train de dire. Je m'entraînais tellement vite. Mmh. Je m'entraînais tellement vite. Je faisais des accélérations tellement vite que. Mais moi, je me suis même pas vu courir. Mmh. Je voulais. Mmh. Parce que j'avais un trop tien, j'avais développé un. D'accord. Une habitude de courir. Alors, c'est vrai que j'étais de la montagne, donc j'avais une foulée de. Moi, ouais, t'étais grenobloise quand même. Hein. Ouais, donc c'est sûr que j'étais pas lourde et j'ai appris à courir dans les côtes parce que je rentrais souvent, même parfois en courant à pied à la maison. Donc. Le mec qui est parisien qui prépare les TMB, tu. Eh ben, il faut qu'il travaille dans les escaliers. Ouais. Il y a un truc, c'est que, en fait, il faut avoir. Il faut apprendre à courir au-dessus de ses appuis. Il ne faut pas être penché en avant pour pas marcher avec les mains sur les cuisses, ça c'est naze. Il faut courir, être positionné, parce que ouais, si tu es penché en avant, tu as des appuis fuyants derrière. Ouais. Ta force résultante, elle va en arrière. Donc il faut bien au-dessus des appuis. Pour ça, les escaliers, ça t'oblige à passer le bassin en rétroversion. Parce que j'ai quand même un peu trop un athlétisme, donc j'ai une dimension technique quand même dans ce que je fais. Ouais. Donc si tu fais des escaliers et des accélérations où tu es obligé de replacer ton bassin, ce que j'explique dans mes vidéos, ouais. Si tu travailles en gros la technique, la puissance, mais ça va passer ton UTMB, tu d'accord. vas sans problème. Ah ouais. Tu vas tellement être heureux. D'accord. Parce que le problème du UTMB, c'est que les mecs, parfois, ouais. ils arrivent sur la ligne de départ, ils disent putain, qu'est-ce que je fais là, quoi. Tellement qu'ils ont fait le kilomètre, ils sont crevés. Ils sont crevés, ouais. Putain, moi j'ai vécu sur l'entraînement. Je suis vue sur des lignes de départ en ski de fond, parce que je faisais des compètes de ski de fond. Ouais. Ça m'arrivait de faire les régionaux de ski de fond le matin à Champs-Rousses, les régionaux de cross avec Slemin l'après-midi. Quoi. Ah ouais. Le matin, sur la ligne de départ à 9h ou à 5h du mat, je dis mais putain, je suis quoi? Je suis en quoi. Donc là, ils vont arriver, mais trop envie quoi. Ah bah ouais. Ils vont trop avoir envie. Ouais. Oui, mais c'est ça, mais si tu vois, c'est ma question, parce que justement, les mecs, ils vont se dire, bon, ouais, je connaissais pas tes vidéos, mon erreur, hein, mais je me disais, les mecs, ils vont avoir tellement, en plus, le TMB, tu le sais, c'est un four pas possible pour s'inscrire, donc quand t'as ton inscription, que t'as été tiré au sort, tu t'y tiens, donc tu vas aller sur la ligne de départ, mais il faut surtout pas que tu y ailles en étant quand même pas préparé, parce que c'est une course où tu peux quand même te faire mal. Ils vont se préparer. Eh ben, ils vont se préparer maintenant en regardant tes vidéos, d'accord. Mais tu vas voir, non, mais sans déconner. Non, mais il n'y a pas que mes vidéos, je veux dire, mais. Même ils font des 10 fois 200, des trucs. Mais non, mais tu sais que les mecs. Attends, non, mais. Les mecs, ils savent pas comment s'entraîner. Eh ben. Tu vois, ils savent pas comment s'entraîner en dehors de aller faire une semaine de montagne ou courir. Mais gars, c'est parce que nous, on n'a pas la parole. Bah, je te la donne, voilà. Merci. Parce que tu sais, franchement, je fais chier tout le monde. La fédération d'athlétisme, pour les Jeux Olympiques 24, ils m'ont même pas pris au téléphone. Putain. Ah oui. J'ai même pas pu participer au concours à l'appel d'offres. Ouais. Attends, à l'appel d'offres pour quoi? Pour les Jeux Olympiques, il y avait 20 millions sur la table. Mais 2024. Pour faire quoi? Ils appellent à tous les chercheurs. Ah, d'accord, ok. Polytechnique voulait que je vienne bosser avec eux. On leur a téléphoné que c'était pas me prendre. Parce que là, le jeune bah, c'est politique en fait, ça. C'est une décision politique, ouais, c'est ça qu'on peut dire. Ouais, mais du coup, tu vois, les médias, tout ça. Bon, tu me donnes la parole. Bah, je oui. pensais que tu avais vu mes vidéos. Excuse-moi, non. Mais on peut se refaire un appel dans 3 semaines avec tes vidéos parce que c'est la première. Hein. C'est d'autant plus méritant de ta part. Parce que tu connaissais pas. Moi j'ai une proposition. Enfin, je te connais quand même. Hein. Et à la fin, je t'en remercie. Mais dans le bouquin, je suis en train de finir d'écrire pour le trail que j'écris avec Sylvain. Ouais. Et avec. Parce que quand même. Sylvain. Nathalie. Sylvain, de Weider, Sylvain. Ouais. De quoi? Je suis un peu vieille. Bajin?
Ouais. Ouais. Et Nathalie et... Lamoureux? Non. Non. Nathalie Mauclair. D'accord, ok, ouais. Mauclair. Parce que Nathalie, elle a eu une fracture de fatigue. Et elle est venue me demander de l'aide. Mm. Et je l'ai quand même réentraînée entièrement dans l'eau, en aquajogging. Elle D'accord. a suivi mes entraînements, mes théories d'entraînement. Ouais. Bon, donc on écrit un bouquin 3. D'accord. Révolution Trail. Ok. Et ça sort quand? Donc, ça, c'est prévu pour quand, ça? Bah là, on est en train de finir. D'accord. J'espère, c'est chez Doboc, ma collection Sciences et Pratiques du ouais, Sport. Ouais. D'ailleurs, t'es bienvenue si tu veux venir écrire. Hein. Parce que nous, moi, je suis directrice éditoriale depuis 20 ans. Mm. J'ai créé cette collection Sciences et Pratiques du Sport. Ok. Bon. Donc, si tu veux. Fais attention parce que je te prends au mot. Hein. Mais alors là, tu sais que moi, il n'y a pas de parole en l'air. Voilà. D'accord. Il faut que tu saches. Et je suis quelqu'un de fidèle. Donc, si tu veux, moi cette proposition, on n'a pas la parole. Mmh. On gêne. Parce que tu vois, dans les années 80, moi, comment j'ai vécu ça? Mardi, c'était 15 fois 200. Jeudi, c'était 4 fois 1000. Mmh. Et seuil le samedi. Mais ça n'a pas changé. Mmh. Et puis VMA, ouais, moi, je connais un pote. Moi, c'est ce qui m'a toujours emmerdé dans l'athlète. Hein. Pardon, mais... Bah, ouais, bienvenue au club. Et donc, moi, je m'entraînais. Et comment j'ai gagné? J'ai quand même fait des places aux France et tout. On m'entraînait à ma façon. Et les coachs, ils ne savaient même pas. Tu vois. Et moi, j'ai arrêté en course à pied. Je faisais du vélo aussi. Je suis allée à Venise en vélo. Oh ouais, les Pyrénées en vélo. Oui, oui. J'ai fait la marmotte en vélo. Excellent. J'ai travaillé avec Eddy Merckx. J'ai entraîné, j'ai participé à l'émergence du triathlon. J'ai participé même à l'écriture du diplôme. C'est bien ça. Et j'ai entraîné avec Marc Allen. Ah ouais? Tiens, tu t'es entraîné avec Marc Allen. Excellent. Bah, j'ai entraîné Marc Allen faire du ski de fond. Ah, génial. Non, j'ai appris à faire du ski de fond. Il y avait le triathlon des neiges. Ouais. À Saint-Pierre. Ouais. Et donc, moi, j'ai entraîné les stars. Enfin, j'ai participé, j'ai taffé pour les mid-pattes, un club de triathlon, ouais. 87. Ouais. J'ai gagné ma vie comme ça, et pour payer mes études au départ, et mon master. Mmh. Et puis j'ai encadré des stages pour le Winning Club de France, Triathlète Magazine. D'accord. Et c'était le début. Donc on avait des stages, les gens venaient préparer une course, qu'ils faisaient à la fin de la semaine, et pendant une semaine, on leur apprenait, bon, pour le triathlon des neiges, donc il y avait Marc Allen. Ouais. Il y avait, et puis après, sur la Côte d'Azur, on avait Eddy Merckx sur le vélo, Jean-Luc Caponia pour la natation et moi la course à pied. D'accord. Et moi, donc j'ai fait aussi du triathlon pour voir ce que c'était. Ouais. J'ai fait quand même Avignon, j'ai fait quatrième ouais. Et Saint-Laurent du Var. Parce que bon, je faisais stable, donc je savais nager. Ouais, c'est ce que j'allais voilà, dire. Donc, d'accord, tu savais nager. Ouais. Alors. Ouais. Voilà, donc j'ai voulu comprendre et puis mais ça m'a pas empêché de faire de la course à pied. Hein. J'ai quand même fait quatrième sur 25 bornes en France à l'époque, c'était 25. Ouais, ouais. Donc j'ai un peu exploré toutes les voies. Voilà. D'accord. Et pour mieux comprendre mes recherches, encadrer mieux, etc. Mais cette méthode d'entraînement minimaliste, ouais, je te jure, elle marche vraiment bien, quoi. Ok. Parce que déjà en vélo, il y a un gros travail de puissance en vélo. Mm. T'as un point mort en vélo quand tu pédales. T'as un point mort. Donc, si t'es pas capable pour produire 350 watts d'être capable d'emmener 700 watts au point mort, même si tu pédales rond. Ouais. Voilà. C'est, même si tu sais pédaler à la hantine, tu tirais et pousser en même temps, t'as quand même un point mort. Bon, donc moi, l'Alpe d'Huez, mon entraînement, c'était l'Alpe d'Huez en danseuse, pour la ah ouais. course à pied. Ah ouais? Voilà, parce que oui, j'ai quand même le record du Tour de l'Oisin. J'avais gagné la Laurence Mag, et en 23 heures quand même, le GR54. Oh la vache donc, attends, l'Alpe d'Huez, en danseuse, pour progresser en course à pied, c'est beau ça? Oui, ah ouais. C'est un titre d'article à lui tout seul. Ouais, ça. Mais j'ai tellement de choses à te raconter en fait. C'est génial. C'est-à-dire que le truc, c'est que j'ai tendance à oublier tout ce que j'ai fait parce que je suis chercheur. Ouais. Et donc, c'est comme toi, la page blanche. Je le connais, je fais tous les journaux la page blanche. Ouais. Là, t'as un truc à sortir, je connais ce sentiment. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis devant une page blanche aussi. D'abord. Là, je vais devoir écrire un article à 11h pour moi. Là, tu sais, quand on va sortir du confinement, là, il y a. Bah je veux oui. dire, produire français, Macron, il l'a enregistré. Hein. Oh bah oui. Bah donc, oui. Non, mais là, donc, à mon avis, même au niveau marketing, on va se dire, il faut le faire. Bien sûr. Donc, moi, ce que je propose, là, c'est faire une tournée des Endurance Swap en France. Moi, je ferai des petits bouts à vélo, d'ailleurs. qui est un vélo en titane. J'adore. Donc, bon, on fera ça à l'été, quand même, parce qu'on veut pas que tu prennes froid. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est en fait faire la tournée des popotes. Ouais. Et puis, d'ailleurs, il y avait une épreuve, tu l'as connue, cette épreuve de course à pied autour de France en running. On partait 3 semaines. Ouais. Touquet, on avait une bagnole. C'était sponsorisé par Fiat. Non. On faisait par équipe, il y avait le Portugal, la France. Ouais. Comme le Tour de France en vélo. D'accord. Et on faisait des étapes
à 14 à l'heure pour les filles et 16 à l'heure pour les hommes, ah, imposés. Ouais. 30 bornes chacun, on se relayait, ouais. On conduisait, on se relayait par équipe. Et à l'arrivée, dans les stations, dans les villes, on a même beaucoup d'autres. On faisait une spéciale. Le soir, on se reposait un peu. Et le soir, on faisait une spéciale. Donc, on a fait le Tourmalet, on a fait toutes les étapes de Tour de France. Et tous les jours. Tous les jours, pendant trois semaines. Oh la vache. Ouais. Ouais. Bon, un Tour de France. C'était enfant après. Ouais, c'était pas mal. Donc, mais pareil, le soir, on faisait des 5 bornes à fond les cuissons pour faire l'animation. Voilà, mais ça n'existe plus, ça existait une dizaine d'années. Et donc, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est le Tour de France, faire des stands immob dans les magasins. Ouais. Même si c'est sur dehors, devant, là, je m'en fous. Mm-hmm. Tu me donnes une sono, même pas ton sono. Révolution. Les amphis, ça marche jamais dans les amphis, donc je suis habituée. Hein. Voilà. Et allons-y, quoi. Je peux te le faire en anglais, en français. Et là, j'ai même fait une tournée en Chine. Je vais te faire un scoop. Patient zéro, c'est moi. Ouais. De quoi, pardon? Le patient zéro, c'est moi. Le patient zéro? Ouais. Parce que je suis allée en Chine en octobre. Ah oui? Je suis tombée malade. Ah, c'est vrai? Je suis allée à l'hôpital et en fait, le corona, je pense que je l'ai chopé. Je suis revenue en France, j'étais malade comme un chien. D'accord. Et tu l'as chopé là-bas? Ouais. Mmh. Ouais. D'accord. J'étais à l'hôpital là-bas quand même. J'étais à Shanghai et à Pékin. D'accord. Ok. Et j'ai même fait des supervisions d'entraînement de ce qu'ils font. D'accord. Mais attends, mais c'est le coronavirus, ça veut dire que tu l'as. Non, je rigole, j'en sais rien, mais j'ai eu tous les symptômes. Hein. Mais c'est possible, hein. C'est possible, mais tu fais partie des gens qui ont naturellement bien résisté au truc, quoi. Ouais. Bon, on est des centenaires, la famille. Non, mais bon, tout ça pour dire que après le confinement, le confinement est une chance pour s'entraîner différemment. Continuer à faire des projets. Moi, je soutiens à fond les organisateurs de maintenir. Les gens, ils seront prêts. Je me mets au défi qu'ils seront prêts. Moi, je vais les aider. Je vais démontrer qu'ils seront prêts. Je vais aider les organisateurs parce que ça leur permet de se projeter aux gens. Je suis d'accord. C'est comme moi en tant que chercheur. Mais les congrès, les gens, ils font pareil. Ils les annulent. Ils les annulent pas. Ils les décalent. Alors, on reçoit un petit message. Non. Bonne nouvelle. Vous avez jusqu'au temps pour présenter votre poster ou votre projet de conférence, deadline est décalé. Oh non, bon, mais on se projette. On ne nous dit pas c'est annulé, quoi. Tu vois? Voilà, bon, et si ça peut être maintenu, mais moi je vais aider les gens, ils seront prêts, les gens. C'est l'occasion de voir différemment. Ils vont avoir une fraîcheur musculaire et une réserve de puissance et une envie. Oui, c'est ça, parce que fraîcheur musculaire, mais fraîcheur mentale aussi. Ah oui. Attends, mais on va pas se mentir, c'est ça qui compte quand même. Quand tu fais, t'aperçois bien quand tu fais du off sur des trucs comme ça, c'est quand même le mental qui compte. Moi, je me suis retrouvée quand même, quand tu fais le tour des écrins, tu es au sommet de la Moselle, dans la pierraille, et que tu te sors du grêlon et tu te cailles les miches, et que tu dois redescendre sur Bourdoisan, et que t'as la fringale au ventre, putain, c'est un malade mental. Si t'es pas capable d'en te projeter à l'arrivée et que tu dis, oh, putain, super, je vais me faire un truc avec les copains, Ginepi, machin. Moi, j'ai aidé un gars, Jean-Sébastien Braun, du T4M. Alors, du T4M, je lui avais donné des images d'animaux, petit chamois, qui correspondaient à des sensations de vitesse. Bon, il y avait des images d'animaux à chaque portion. Et après, au SAP, je suis montée au SAP. Et je suis redescendu en courant avec lui pour l'aider, parce qu'il avait trop mal aux jambes, pour arriver jusqu'au parc de Mistral. Et ben, il était tellement cassé, il voulait arrêter. J'ai dit à Jean-Seb, à l'arrivée, tu vas manger quoi? Pizza? C'est quoi ton truc préféré? Pizza. Bon, je te le fais, quoi. Tu veux une carpaccione? Tu veux avec des saucisses? Mais, machin, il me dit, ouais, hein. Après, bon, j'ai dit, t'aimes quoi les glaces? On a parlé que de ça, des de la glace, il allait manger à l'arrivée. Bon, voilà, c'est de la projection, c'est de la pensée positive. Bah, oui. C'est un truc classique en psychologie du sport. Bah, c'est classique. Je suis même pas psychologue, je suis rien du tout. Mais bon, non, là, c'est le temps, ici et maintenant. Tu peux pas dire que t'es rien du tout. Voilà, c'est ici et maintenant. Et se dire, putain, qu'est-ce que je vais faire en sortant? Ouais. Là, t'as raison. C'est l'occasion d'apprendre l'anglais. Les mecs sont confinés, ben, y a des tutoriels. C'est vrai. C'est pas le confinement il y a 15 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que t'es d'accord avec le fait que peut-être ceux qui ont l'habitude de scotiner des choses difficiles en,
en course à pied, je parle pas seulement des ultras, hein, peut-être que ceux qui ont l'habitude de se mettre des doses, des trucs vraiment difficiles à l'entraînement, ils sont, ou les sportifs en général, on va dire, on va peut-être ouvrir ça davantage, voilà, aux sportifs en général, est-ce qu'ils sont pas mieux armés que les autres pour affronter ce genre de moments difficiles qui dure pendant des mois et qui risque de pas s'arrêter demain non plus, tu vois? Non, parce que c'est pas la même difficulté. C'est-à-dire qu'ils se mettent comme on se met sur la table quand on prend de l'alcool tous les vendredis, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont habitués physiquement à souffrir, à s'entraîner dur. C'est pas pour ça qu'ils vont être armés psychologiquement. Non, mais regarde, par exemple, on parlait de l'ultra, ou on parlait de ton collègue ou de ton ami là, que t'as coaché sur l'UT4M. Et ben, ce mec-là, une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, mentalement, il s'est renforcé quand même, parce qu'il a vu, il a réalisé. Non, il s'est pas du tout renforcé. Tu penses? Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais non, parce que comme il vit la course à pied. Il la vit comme un exutoire d'un truc dans la vie qui va pas. Mais tu crois pas que le fait d'avoir fini... Il s'emmerdait dans son travail. Alors, non, mais tu crois pas que... Il se retrouve. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais tu crois pas que le fait d'avoir fini la course, alors qu'il a vécu des moments extrêmement difficiles, où il était prêt d'abandonner, ou sans toi, d'après ton histoire, il aurait abandonné, le fait qu'il finisse, il prend peut-être un peu de recul sur l'événement, il se dit, ah ouais, dis donc, quand j'ai une difficulté, finalement, si je tiens bon, si je lâche pas, ça finit par passer. Tu vois? Est-ce qu'on peut pas faire ce parallèle-là? Parce que la suite de l'histoire de cet homme, c'est que derrière, il faisait ça parce qu'il s'emmerdait dans sa vie perso et de travail. Ouais. C'est un mec brillant, au boulot, il avait un super boulot, mais il voyait pas de sens, il était dans le pétrole. Ouais. Il voyait pas de sens à son travail. Donc après, la suite de l'histoire, c'est qu'il a changé de boulot, complètement, et il s'est fait plaisir dans son boulot, il a arrêté la course. Ok. Bon, ben, du coup, ça, c'est quand même une fin positive. Oui. Il est devenu heureux. Mais tu me casses mon truc là. Non mais je suis ravi en même temps d'avoir un contrepoint comme ça. Mais moi je pensais, si tu veux, que les sportifs un peu comme ça, qui faisaient du trail, de l'ultra, tu vois, les mecs un peu aguerris mentalement, c'est un acte de faiblesse. Ils sont pas aguerris. Comment ça, c'est un mec de faiblesse, c'est-à-dire? Je t'explique. Parce que comment ils font quand tu parce que je me suis passé en boucle des trails en vidéo et tout ça. Ouais. Tout ce que les gens se disent. Ils prennent leur cerveau. Il dépose à côté, leurs jambes. Il rentre dans une mécanique. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé à Jean-Seb de conscientiser son truc, d'être en pleine conscience et puis de chercher du plaisir, d'activer des circuits de récompense en évoquant des images positives, voilà. Mais eux, comment ils font? C'est plutôt les protagonistes de « je prends mon cerveau, je le mets à côté ». Ah oui. Et je mets le pilote automatique. Et j'avance, même si ça fait mal, c'est pas grave. D'accord. Bon, et du coup, on termine pas sur une note très optimiste, alors. Ah, non, c'est pour ça que là, c'est... Non, c'est l'optimisme du confinement de dire, bon, madame, les mecs, vous allez en chier, comme si vous étiez en désintox. Mais une fois que vous êtes en désintox, c'est comme quand tu arrêtes le sucre. C'est putain de dur les 10 premiers jours, mais après ça va bien, quoi. Ok. Mais alors après, ils vont tous arrêter la course à pied, du coup? Non, parce que là, ils auront découvert une autre façon aussi. D'accord. Si j'ai enfin la parole, de s'entraîner en découvrant le plaisir d'accélérer comme un animal. Ok. Plus quali, alors. Moi, je vois, parce qu'il y a des gens, ils m'écrivent, là, ils me disent, oh putain, mais je redécouvre le plaisir de galoper, d'augmenter ma foulée. Je savais pas que je pouvais faire ça. Très vite. D'accord, c'est bon ça. Ok. Le fameux jeu de course, fameux fartlek. Ouais. Je joue à ma course, je fais des skills. Je joue. Les Africains que j'ai beaucoup côtoyés, Isabella et ses amis, quand je faisais des stages avec eux, c'était. On part. Mon entraînement, il est passé simplement. C'est-à-dire que la semaine, on fait des séances de 30 minutes avec des accélérations, des décélérations, parce qu'on a aussi des montrées. Que dans les phases de décélération, ça permettait de maintenir VO2 max 40 minutes. C'est-à-dire que tu sais que tu accélères, tu accroches VO2 max, et après tu décélères en douceur. Tu es toujours à VO2 max parce que tu as une reconstitution de ta phosphocréatine, une réoxydation de la synactique, donc tu peux descendre très bas en lactate tout en étant en VO2 max, et après tu réaccélères. Bon, il y a tout un travail qui a été fait de validation scientifique, etc. Bon, ils redécouvrent tout ça d'un côté
trois fois par semaine ces séances-là, très quali. Et le dimanche, ils partent 4 heures, 5 heures en off, avec un sac à dos, avec de la marche. Je marche, je casse la croûte, je pars. Putain, je me fais la côte, là. Je vois, je suis dans la forêt de Fontainebleau, je suis dans les 25 bosses, je m'attaque à la 25e bosse, ou je marche, je fais comme je sens, comme un animal. Tu vois. Et le fait d'avoir fait ces 4-5 heures, d'abord, j'augmente la température de mon corps, donc j'augmente la sécrétion de high shock protéines. Ouais. C'est des protéines qui enveloppent la fibre musculaire, qui la rendent plus. C'est une protéine chaperonne qui va protéger la fibre musculaire. Donc, si tu utilises très long avec une palette de la marche au sprint sur 4-5 heures à volonté, mais à côté de ça, la semaine, tu fais des trucs quali. Ok, donc ça correspond à la semaine, ça correspond au confinement aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Alors la semaine, parce que moi, c'est plutôt des entraînements d'une demi-heure. Le cœur de la séance avec l'échauffement récup, c'est une heure. Bon, là, c'est... L'échauffement récup, tu peux le faire chez toi, et puis le... Hein? Ah, là, ce que je propose aujourd'hui, c'est 20 minutes, tout compris. Ah, tout compris, d'accord. Ouais. Ah ouais. Pas forcément envie de c'est zéro excuse, alors le confinement, c'est pas une excuse du tout, alors, pour ceux qui vivent. Ah non, pas du tout. Et en plus, ils me disent, ouais, mais tu nous fais chauffer en 6 minutes. Je dis, ouais, mais comme c'est des consignes à la sensation, ton échauffement, tu fais la sensation. Donc, ça fonctionne. Et après, une fois que tu as fait 6 minutes, c'est peut-être pas chaud à bloc. Mais comme je te fais des trucs à la sensation, facile, moyen, accélération, machin, ton moyen d'un échauffement court, il va être le moyen de l'instant présent. C'est pas grave. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, par contre, quand on n'est pas confiné, c'est des séances d'une heure. Mais quali, la semaine. Quali. Et le dimanche, c'est 4-5 heures. Comme un animal. Entre deux. Oui. Bien ça, ton expression. Tu pars, à la limite, tu pars, tu fais un truc et tu reviens en RER. Ou tu reviens, tu te fais aller chercher par ta femme ou ton mec. Okay. Tu te fais un resto, tu reviens. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute, 1h10 hein, quand même, on a passé là. Bon, bah, je t'embrasse. Et puis on se refait ça parce que c'est super. Dès que c'est en ligne, je te dis. Et puis si tu veux écrire un bouquin, welcome. Voilà. Ok. Bon. Mon bouquin préféré, il est chez Albin Michel, tu sais. Ouais. C'est un bouquin qui s'appelle Survivre, qui a été écrit par un mec qui s'appelle Xavier Maniguet. Oh, il a coupé son bras, c'est ça, non ? Non, Xavier Maniguet, c'était un médecin. Un médecin français qui travaillait pour la DGSE. Et qui a fait partie de l'opération qui a fait sauter le Rainbow Warrior. Ah oui, d'accord. Avec le frère de Ségolène Royal, qui était dans les commandos marines à l'époque. Okay. Et lui, Xavier Maniguet, je l'avais interviewé pour Le Parisien, ce mec-là. Et donc, il a écrit ce bouquin, hein, qui s'appelle Survivre. Et il a été. Il est mort, il était pilote d'avion. Et son petit avion s'est écrasé en montagne. Et on n'a jamais su si c'était pas une. On sait pas. Voilà. Ces mecs qui vivent des vies dans les services secrets, tu sais jamais quand ils meurent, pourquoi. Bref. Enfin bref, voilà. Elle est en bulldog, fais attention de ne pas le faire courir dans la chaleur. Non, je sais. Elle a 7 ans et elle a vécu en Inde avec moi. Donc les chaleurs, si tu veux, elle connaît. Non. La mienne, elle a 9 ans. Mais elle a un an de museau de berger allemand, alors ça va. C'est vrai. Ouais, voilà. Les bergers allemands, ça vit longtemps. Non ? Ça vit combien de temps ? Non, pas longtemps. J'avais de mal de faire un retournement d'estomac. Non, ça fait partie de 11-12 ans, quoi. Ah ouais, bah, les bulldogs, c'est encore moins que ça. Mais... Ouais. Bon, les aimes, les chiens, ça c'est trop important, les chiens. Bah écoute, surtout en cette période, je suis tout seul avec ma chienne, tu vois. Ah, heureusement qu'elle est là. Ah ouais, mais moi, de toute façon, je suis comme toi, j'ai pas d'enfant, rien. Et... Ah. Voilà, quoi, c'est. Enfin, voilà. Moi, j'ai un compagnon depuis 30 ans, mais c'est un juif esquena, c'est un Woody Allen en puissance. Et il est assez spécial. Il fait quoi? Il est médecin. D'accord. Mais c'est un médecin ancien juif. Ouais. Eskenaz, communiste. Ouais. Et il travaille en centre de santé. Il est plus âgé que moi, il a 72 ans. Ouais. Mais par contre, il est tout le temps. Et comme vous direz, il croit toujours qu'il a un cancer. Il est hypocondriaque, c'est vrai. Ouais. Alors, l'autre jour, il a enterré sa sœur, un pauvre. Bon. Ouais. Et c'est quand même l'humour juif. Alors, je lui dis, Jean-Pierre, t'as pas de kippa. Ouais. Le rabbin, tout ça, parce qu'il est athée. Ouais. Il est même pro-palestinien. Ouais. Hein? Dis-moi, et tu dois faire des psaumes quand même, même si t'es athée, tu dois lire un truc avec une kippa. Alors je lui ai donné un truc, justement, pas un truc musulman. Je lui ai coupé le pompon
Et il est parti avec le truc que j'ai aplati, genre qui pas. Non. Et c'était sûr. Il était à l'enterrement. Et parce que tu sais, il était tout seul. Hein. Ouais. En ce moment, l'enterrement, bah oui, était oui, tout seul. Oui, oui. Avec le rabbin. Mmh. Le rabbin a bien rigolé. Donc ça allait. C'est énorme ça. Il a eu un truc musulman, t'as coupé le pompon, tu lui as fait un peu plus court et ça lui a fait la kippa. C'est ouais. Énorme cette histoire. Ça fait un court-métrage, ça, rien que ça. Je vais t'envoyer la photo, tu vas être mort de rire. Énorme. Énorme. Bon, vivons décalés, vivons ouais. Confinés. Ouais. Et c'est l'occasion de se projeter pour ouais, après. Exactement. Refaisons son planning de course et courons en puissance et en amour de l'instant présent. Et du plaisir de courir. Mmh. Allons-y. T'as raison. On est en plein mythe californien, puis ça va. C'est ça. L'estafette, la Volkswagen, et on y va. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup. Allez, hein. Je te fais la liste. On ouais, va moi aussi. Tout de suite. Merci, hein. À bientôt. Au revoir. Salut, Véronique. Ciao, ciao. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed. Sun to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules.